Allez, c'est parti, petite découverte. On part sur Slice and Dice. C'est une petite soirée live avec deux jeux qu'on va découvrir. Un qu'on jouera un petit peu plus longtemps. C'est du lancer de dés. C'est lancer de dés, le pauvre. Avec bien sûr toujours l'aléatoire qui va être bien pourri pour moi, je le sais. Hein? Pour ceux qui suivent un petit peu, vous connaissez ma chance légendaire. Allez, donc c'est parti, on joue en normal. Donc, on a des rerolls disponibles. Nous avons donc chaque dé, chaque couleur de dé correspond à un des personnages qui est ici, avec les possibilités sur chaque dé. Je peux décider, donc je vais reroll lourd dice, ok, je peux cliquer pour en mettre un. Clic droit, j'ai pas mis en dégâts, donc on va le prendre. On voit qui attaque qui. On voit que par exemple, mon personnage va prendre un dégât ici. Cela, lui, va s'en prendre 4. Donc lui doit taper lui. Et lui doit taper à 1, cela. Est-ce que j'ai un moyen? Il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 points de vie. Il faudrait arriver à le tuer. Je pourrais le tuer lui, surtout. Attention, il faudra que je reroll un dé. Donc, le tif, on va utiliser. Je vais reroll les trois là. On va voir si on a mieux. Ok, j'ai eu deux boucliers, ce qui est pas ouf. Et je re-reroll. Espérant avoir mieux. Ok, c'est ma chance, comme d'habitude, hein, on le sait. Hein. On le sait que le jeu. Click on hero, choose as dice. Ok. On va taper lui. Hein. On lui a mis deux. Lui, on va mettre 2, et lui, il va s'auto-protéger. Donc il prendra que 1 dégât, donc ça va, tout le monde prendra que 1 dégât. Ok, les deux tapent fort. On va avoir des vrais jets. Non mais faut arrêter là, j'ai le pire jet. Ça commence déjà le jeu. Il roll 2 dice only, mais je veux pas. Je veux pas ceux-là, là, ils sont tout pourraves. Je peux les remettre? Ah oui, je peux les remettre et reroll après. Ok, donc lui, on va pouvoir le tuer, ça c'est sûr. Je vais le faire tout de suite. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais relancer tout ça là. Mais ces dés, ils font que des. Au secours! Allez, tue-le. Bon, on va t'entamer. Et t'attaques qui? T'attaques lui. Donc il va s'auto-protéger. Mais on va prendre un point de dégâts. Alors je sais pas si. J'ai rien pris, pourquoi? Ah, il faisait qu'il tapait qu'à 3, j'ai pas fait gaffe. Eh, mais y a que des croix sur ces dés ou. Donc toi, on va te garder. Ok, donc là, on le tue. Pas besoin de. Alors, malheureusement, le jeu n'a pas. Il n'y a pas de VF. Hein. Le jeu est en anglais. Il coûte pas très cher. Donc, c'est toujours assez intéressant. Donc, là, je vais. Hop. Donc, j'ai choix. Donc, en fait, c'est le jeu. On va monter les classes des personnages et ça va donner des capacités plus ou moins fortes. On va avoir des espèces d'items, des artefacts, des trucs comme ça qu'on va pouvoir équiper et faire changer certaines faces, etc. Donc, là, je pourrais avoir lui qui va défendre tout le temps. Il a 4 défenses et 2 attaques seulement. Ou alors, j'ai lui qui tape comme un bourrin. Mais, il y a quoi comme effet? Pain, c'est quoi? On peut savoir ce que c'est Pain, Pain, take 4 damage. D'accord, c'est en fait il met 4 au méchant, mais il se prend 4 lui aussi. Deadwish. X2, si je meurs. X2 si je meurs ce tour-ci. Je crois qu'on va pas prendre le Berserk. On va prendre le Warden. Donc le Défendeur va devenir le Warden. Donc on passe de dé avec 3, 2, 1 et rien, et 1 et 1, à 2 et 2 et 4, 3, 2, 1. En défense, ce qui est quand même vachement mieux. Ok, donc là, l'inventaire, j'ai rien pour le moment. Et on a en tout 20 fights à faire. Salut, Renac. Ouais, c'est Sly and Dash, je l'ai pris parce que. Mais bon, ça commence déjà bien. Hein. Donc, on a bien vu, je suis en normal et j'ai récupéré déjà mes points de vie. Ok, il y a Monsieur Gobelin là, ici, qui tape dessus. On lui tape en zone et lui là-bas. Donc, est-ce que lui, il a 5 points de vie? Il faudrait arriver à le tuer.
Je peux déjà le défendre, c'est à peu près sûr. Est-ce que j'ai mieux que 2? Non. Est-ce que j'ai mieux que 2? Non. Ok, je vais roll ces 2 dés. Non mais celui-là il est pourri, hein. Faut qu'il arrête. Hein. Non mais on le sait, hein. On le sait, de toute façon. Donc il va prendre que 1, donc ça va. Merci pour le giveaway. Ah. Eux, ils ont des jeux dés. Ils ont pas des dés avec des croix, mais alors moi, qu'est-ce que j'en ai, hein? Ah, j'hésite pour celui-là. J'ai peut-être le reroll, c'est le bouclier. Voilà, c'est parfait. Un bouclier à 4. Pas mal. Un bouclier à 3. Bon, lui, va mourir. Lui, de toute façon, on peut pas le toucher tant qu'on n'a pas tué les deux qui sont devant. Est-ce que je reroll? Non, je vais faire un autre bouclier pour protéger, pour être tranquille. Pas prendre de dégâts. Donc déjà, j'aurais dû lui taper à 1, je suis con. Pas grave. Ok, lui va prendre 4. Donc je le protège. Il doit prendre encore 2. On le protège. Il prendra rien. Et ils lui en veulent, hein, après le voleur. Hein. Ok, lui tape 2 zones. Bon, là, il suffit que j'ai 2 fois 2. Je vais garder le bouclier dans le doute. Je vais garder le bouclier dans le doute. Non, mais il se fout de moi, le jeu, hein. C'est incroyable, hein. Le nombre de croix que j'ai... Tutorial does not alter gameplay. Merci. He's trying to flee. Alors, est-ce que l'archive essaye de s'enfuir? Est-ce que vous voulez le laisser échapper? Jamais! On va le tuer! Il reste un PV! On sait quoi le truc? C'est la croix? Tiens, prends T3. Meurs, sale bête. Ok, donc on récupère, même en mode normal, on récupère nos points de vie. Donc j'ai le droit à donc ça fait quoi ça? Ça transforme. Replace the two right side with blank en un heal regen. Ok, ça peut être pas mal. Et on... Qui c'est qui a des... Lui, par exemple, là, il est complètement nul. Et lui, c'est lui, c'est à cause de lui que j'ai des croix tout le temps. Ou alors j'ai le bon charme. Le bon charme, il fait quoi? No HP penalty when defeated. Ok. Ou un item random. Je vais prendre ça. Ça, au moins, il pourra faire de la régène. Donc là, je vais dans l'inventaire. Et je vais pouvoir attribuer ça à lui. Et maintenant, il a deux trucs qui... Ah, ça fait quoi, la croix? Blanc. Ok. Bon, il en a un de moins. C'est déjà pas mal. Salut, Amiral. Ça permettra d'avoir autant un heal. Donc là, ça, c'est l'équipe que je vais me taper, là. Donc, un sanglier, des rats et un archer encore. Bien sûr, avec mes jets de merde. Alors, niveau bouclier, ça devrait aller. Donc déjà, aim, ils veulent tous sur lui. Hein. Ok, 2 boucliers. Je peux avoir de l'attaque ou c'est une option? Eh, mais le nombre de croix que je fais, mais c'est nawak. Hein. Tellement de points de vie. Ce serait à 3 tous les deux. Lui, je peux le descendre, qu'il prenne rien. Lui, il est nul, de toute façon. Donc, on va faire ça et on va taper le premier rat. Mon Dieu, j'ai pas de croix. C'est un miracle. 3, je peux tuer lui. Lui attaque qui? Il faudrait quand même un bouclier ou deux. Ce serait bien. Un bon bouclier. Un bouclier à 2. Parce que le fighter, il va prendre cher, sinon. Peut-être un autre reroll. Je suis super heureux. Je commence à travailler demain, dès 6h du matin, à Leclerc, patron chez moi. Ah, cool. Cool, ça. Ok. On peut faire un joli massacre. Je peux déjà déglinguer lui.
Ça fait ça en moins. On va déglinguer lui. Et c'est le fighter qui va prendre un peu. Donc on va protéger le fighter. Voilà, comme ça on a pris que deux. Ok, oula, ils ont décidé de taper fort. Alors lui, c'est quoi son effet là? Must be removed individually. D'accord, faut le taper deux fois. J'ai besoin... Ben, j'ai tout ce qu'il faut normalement. Je devrais pouvoir tuer tout le monde là. Ou pas. Si. Tape une fois. Je le tue. Et je le tue. Ok. Qui c'est qui level up? Ok. Donc on a lui qui va toujours avoir... C'est de la merde. Pourquoi deux de moins? On passe deux. C'était pas mal à... Qu'est-ce que c'est ça? Un damage steal. Ouais. Un damage bloodlust. Alors c'est quoi le pipe? Ouais, c'est pas ouf. Hein. Et lui c'est quoi? Chill 3 engage. Fois 2 contre un personnage qui a le max d'HP. Et ça c'est 2 de bouclier à tout le monde. C'est quand même pas mal, mais on part. 3, 2, 1. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Et il a une attaque de zone. J'ai 2 chances sur 4. Donc une chance sur 2 de... Même pas, une chance sur 3. Pardon. Une chance sur 3 d'avoir quelque chose de négatif, en fait. Je pense qu'on va prendre celui-là. Sinon, je peux prendre un random, mais... On va prendre celui-là. Parce que là, on a du monde, là. Ok, monsieur a décidé de taper ultra fort. Ok, j'ai le bouclier qui est pas mal ici. Je pense que de toute façon, il faudra qu'on tue lui en premier. Là, je crois que j'ai pas mieux. Il va me falloir des boucliers. Hein. Enfin... Si le jeu veut arrêter de me donner des croix. Non, le jeu ne veut pas arrêter de me donner des croix. C'est incroyable. Donc lui est mort, hein, je pense. Il meurt quand même, de toute façon. C'est dingue, hein, le nombre de croix que j'ai à chaque fois. Bon, bah adieu, mon petit... Antitif. Si encore j'avais arrêté d'avoir des croix en permanence, ce serait bien. Il est full. Il attaque qui? Ah, il attaque 3 d'un coup. Donc je pense que les deux boucliers sont intéressants. Pour une fois que j'ai pas des croix, j'ai des attaques de merde. Ok. Donc ça... Celui qui a le moins de points de vie, c'est là. Donc on va protéger. Donc il gagne beaucoup, il prendra rien. On va protéger lui. Et puis tout dans sa tête. Non, je vais pas undo une action. Ça sert à rien. Ok, attaque de zone. Non, mais je veux dire, si le jeu, il arrêtait pas de me donner... Voilà, ça c'est bien. Alors, c'est con, hein, d'avoir que des défenses. Hein. Je vais undo. Voilà, comme ça, il est content, le jeu. Pardon. Non, mais je fais comment, là? J'ai pas d'attaque ou j'ai des croix? Comme d'habitude, hein, la chance avec moi. Il tape à deux encore tout le monde. Il est chiant, hein. On va arriver à le tuer, là, non? Je suis à 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, dommage. Allez. Non, non, tu vas crever, salve. Tu m'as tué un pote. Tu vas crever comme un sagouin, c'est tout. Tiens, regarde, meurs. Ah, ok, le tif revient, mais il a un malus ici.
Alors c'est définitif ou c'est... Non d'accord, il démarre avec 2 points de vie en moins. Ok. Alors j'ai le droit à quoi? Donc ça met sur le dé ici. Donc replace the left side with 4 damage, mais on perd 2 HP max. Ou rain arrow. Donc on remplace le top side with 1 damage. Duplicate. Donc il est copié. This on to all allied side this turn. Ah, si je fais ça, ça le met sur tout le monde. Et ça peut toucher les mecs derrière. Ok. Ou je fais un random tier. Allez, je vais prendre un random tier. Oui. Donc remplace le middle side. 3 heal vitality. Oh, pas mal ça. Ça donne des. Donc. Il y a un truc au milieu pas terrible. Est-ce qu'on s'en foutrait qu'il attaque 2 zones à 1? Au moins il pourrait soigner. Et ça. On verra, on changera après. Besoin. Ok. Bon, des snakes qui vont mettre du poison, je suppose. Alors. Lui, il attaque là. Il tape à deux. Ils en veulent au voleur. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est lui qui se fait cibler, mais tout le temps. C'est dingue. Hein. Lui, il attaque le voleur et. Ok. Donc j'ai une attaque à 3. Je vais reroll. J'ai attaque à 2, attaque à 2. Donc je peux en tuer un déjà, c'est sûr. Je pense que le voleur de son va y passer. D'ailleurs, CDD reconductible, vous direz que CDI. Ok, j'ai eu du bouclier, ça c'est pas mal. Je vais pouvoir le protéger fortement. C'est plutôt ok. Et il prend le poison, il va prendre un dégât. Donc faut que je lui remette un plus. Ok. Ouais, c'est qui t'attaque? C'est lui, hein. Ok, on va tuer lui. Comme ça, il prendra pas de dégâts. Le voleur, il va se prendre le. Prends rien, il se prendra juste un point de poison. Et on va entamer le gobelin. Et là, faut que je tue ce tour-ci les deux. Ok. Ça, je garde. Je peux avoir du dégât, s'il vous plaît, le jeu? Ou des croix? J'ai l'habitude des croix. Ok, on peut tuer le gobelin. Bon, lui va mourir encore. Je peux pas tuer les deux. Parce que j'ai pas eu de chance, comme d'habitude. Ça sert à rien que je lui mette un bouclier, il va y passer. C'est du poison. Non, non, tu vas mourir, hein, mon gars. T'as tué mon gars, tu vas voir. Eh, mais c'est incroyable le nombre de croix, c'est pas possible de se faire avoir comme ça. Il est de retour, bon il a toujours sa pénalité de 2, c'est pas très grave. Ah! Il va peut-être enfin level up! Alors, la brute, déjà ça a l'air d'être sympa. Il tape à 3. Alors il est obligé d'attaquer celui qui a le plus de HP. Ça c'est quoi? Ça stun un ennemi. Qui a plus ou moins, enfin égal ou moins d'HP que le personnage. Donc il passerait, il aurait 8 points de vie. Et après, ça donne soit 2 damage et 2 shield. Le voleur! Cantrip, c'est quoi? Activate during. Ah! Donc à chaque fois que tu rolls. Oh, c'est pas mal. Chaque fois que ça roll le dé, ça fait des dégâts. Le problème, c'est celle-là, c'est qu'il s'auto-tape. Mais je pense que je vais prendre ça, c'est pas mal. Il aura un petit peu plus de points de vie. Ok, lui on peut lui faire que les dégâts un par un. Et ça c'est quoi ça? If an enemy I target get 5 plus shield, I flee. D'accord, il s'enfuit s'il y a plus de. C'est pas mal. Ok.
Ah, il attaque deux zones, lui, direct. Il a fait bonjour. Donc ça, c'est bien, le dé qui est là. On va garder. Je vais reroll. Bien sûr. Non, mais c'est scripté, c'est pas possible. Lui, il attaque là-bas, donc faudra défendre. Avec lui, il faut défendre lui. Ok, il s'est barré. Pourtant. Ah, c'est parce que lui, il avait full PV, comme il attaque tout le monde. J'aurais peut-être dû taper. Non, mais je l'aurais pas tué, j'aurais pas eu assez. Ouais! Oh, c'est de la régène. Ok, assez cool ça. Ok, monsieur veut attaquer fort. Gardez celui-là. Il me reste deux coups à donner. Normalement, c'est bon. On va voir si est-ce que je le tue. Voilà. Allez, hop, encore un reroll. Hop. C'est génial. J'adore ce skill. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Alors là, c'est quoi? Alors, replace the middle side with heal 3. Cleans. Donc reduce target negative effect by 3. Ok. Donc c'est un soin contre les effets négatifs. Et ça, at the start of each turn, save shield 1. C'est pas mal. Je vais prendre ça plutôt. Un petit bouclier tous les tours. Ce serait pas mal. Bon, lui, il est toujours. J'ai beaucoup trop de croix dans mes. Qui aurait besoin? Qui a le moins de points de vie? À dire toi. Pour le moment, jusqu'à ce qu'on te up. Ok. Oh, ils ont décidé d'attaquer de zone, ok. Là, ça fait quoi, le... Un peep to all side, this fight. Elle gagne plus un de dégâts pour... à chaque fois qu'on tombe là-dessus. Bref, en tuer un. Je vais prendre les boucliers. Et il a gagné plus un, lui. Il faudrait mettre. Je pense qu'on va mettre une régène sur quelqu'un. Aïe, aïe, il s'est tapé tout seul. Aïe, une deuxième fois en plus. Ok, qui prend le plus cher? Il y a lui qui prend cher. Obligé là? Putain, il est obligé de se taper dessus. Ah ouais, c'est dangereux quand tu l'as en dernier. Oh putain, encore. J'ai pas de bol, hein. Il y a une face quand même, hein, qui me fait des dégâts. Et j'ai réussi à la prendre tous les tours, hein. Trois fois d'affilée, sérieux? Trois fois, sérieux? Non mais le jeu se fout de ma gueule! C'est incroyable! Ah bah enfin du dégât. Ok, il lui manque... Donc là, il est mort. Ok. Donc je peux lui faire 1, 2... Nice. Lui qui a 1, mais je vais lui faire... qui risque de prendre trop cher. Déjà, on va le taper, on verra après. Il gagne plus 1 au dégât. Qui est très mal? Lui va régène de 1. Lui, il a toujours son bouclier à chaque fois. Il y a lui hein, qui va mettre sur lui. La petite régène qui est bien. On va le tuer ce tour-ci, j'espère. Parce que lui, il s'est tué tout seul. Hein. il me faut encore 2 points de dégâts. Mais je les ai, en fait.
tu me dis. Je suis maudit. Tiens, regarde, venge-toi. Heureusement qu'il y a la régène de PV entre les deux. Ah, alors. Il devient quoi, là-haut? Il gagne quoi? Ça fait un dégât à tout le monde. Un dégât en cleave. Trois dégâts et il met un bouclier sur tout le monde, ce qui est pas mal. Le gladiateur. Deux dégâts, il se self, shield. Deux de shield. Moussa, c'est quoi? Et d'accord, dégâts x 2 si si l'ennemi est full HP. C'est quoi les cœurs là? Damage to the bottom most enemy, ok. Ok, ça va être casse-bonbon. J'hésite. Lui qui pourrait mettre des boucliers sur tout le monde. On passerait de... Ah ouais. Non, lui, il a trop de... Non, on va prendre lui. Ça comblera les trous, j'aurai moins de... Et je vais pouvoir lui remettre ça, la régène, sur son... Comme ça, il a... Ah non, mais ça met un vide. Oh non, là! Oh, comme ça, s'enlève le truc de merde. Oh oui, oh oui. Oh oui, sur le juggler, ça va enlever le truc de merde. Ah, ça va faire du bien. Allez, c'est parti. Moula, Gitia, là, ou Cynthia, ou Sita, donc Gita. Elle tape pas beaucoup, là, non? Ça, c'est pas mal, dégâts x2. Hein. On pourrait peut-être tuer elle rapidement. C'est elle qui le fait le plus mal. Il y a une qui attaque à 3. Et là, ça invoque, c'est ça? Tu mono-wolf. Elle s'attaque deux personnes. Je vais reroll. Ok, ça, le bouclier, je le prends. Et en plus, j'ai le soin. Alors, pour protéger le mieux... Bon, déjà, je peux taper sur elle qui tape le plus fort. Il me reste 4 points à lui mettre. Je les ai. Ok, donc c'est lui qui a pris. Ok. Là, je peux faire... ça. Et il se donne régène. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, ça, je pense qu'on va le prendre. Parce qu'il a l'air d'avoir des attaques de zone. Ah, ok, elle a une sacrée attaque de zone. Faudrait que je tue elle là-haut. Le loup, il fait tape fort, mais... il y a pire. Est-ce que je prendrai pas le... Je vais prendre le 2 dégâts. On va reroll. Ok, c'est bien, j'ai mis 2 dégâts. Donc c'est celui d'en bas qui va prendre le plus. Là, je peux taper fort. Je peux faire plus 2. Je peux faire 4 dégâts avec lui. On peut se prendre un tour, on prend des dégâts, non? B, je tombe à chaque fois. Celui qui est le plus mal, c'est lui. Et il risque de prendre des dégâts. Alors attends, il y a qui attaque? Il y a elle. Et c'est le loup qui attaque. Elle, je pourrais la tuer. Je pourrais mettre le bouclier ici. Tout le monde ait un peu de protection. Je peux faire 2. Ok, c'est lui qui a pris, on s'en doutait. Ok, moins 1. Je pourrais taper fort à 4 sur qui? Sur elle, mais elle va taper lui. Donc on va d'abord taper sur lui. Et on le tuera au prochain tour. Ok. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Quand on a moins de croix, c'est bien. Ok, le loup tape, ça ferait un bouclier à 3. De toute façon, il a pas mieux, donc...
Ok, le loup s'est fait dégommer. J'ai 2 de shield, 2 d'attaque. Il me manque 2, 4, 6, 7. Elle a 7. Il me manque 3 dégâts. Il manquera un dégât. Donc là, elle va taper sur son truc. C'est un to the top most enemy. Donc ça a tapé sur lui. Après, on prend que un dégât. Donc ça va. Lui peut se protéger. Lui auto-protège. Lui, il a de la régène. Lui, il tape. Comme ça, il se met du bouclier. Donc il prend des dégâts, mais il a de la régène. Ok, prochain tour, à mon avis. C'est bon. Non, 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 tu fuis pas, surtout avec un PV. Ma pauvre, tu vas prendre cher. Oh, je l'ai même pas tué avec lui. Et il se fout de moi, hein. Non, mais. Ok, j'ai récupéré quoi? Donc j'ai Dynamo. Qu'est-ce que c'est que ça? Add single use an era to the two right side. After use this side, replace it with a blank with fight. Era, plus un pip for each. Plus un pip for each elapsed. Ok. Il est pas mal, j'ai l'impression. Oh, chainmail, plus de PV. Ah, j'ai bien envie de prendre ça. Plus de PV a l'air d'être pas mal. Qui a pas beaucoup de PV? Toi pour le moment. Tiens. Voilà, au moins tu seras à peu près au même niveau que les autres. Je serai moins inquiet. Alors, on a quoi? On a un ghost, on a des zombies. Il y a quoi sur le ghost? C'est quoi son effet? Become immune to damage this turn. Ok, donc c'est-à-dire si je lui mets encore un dégât, il prendra plus de dégâts derrière. Après, il attaque les deux ici à beaucoup. Lui, il attaque deux zones. C'est quoi le 4? If die, if take 4 or more damage in a single attack. Donc il peut le tuer en mutant 4 ou plus. Ok, et là c'est quoi? L'ennemi target gets 5 shield. D'accord. Ben, ça, on peut le faire, qu'il s'enfuit. Donc ça fera moins de dégâts. Ça, je pense qu'on va le prendre, celui-là, ça fera du bouclier. T'as pas mieux. T'as pas mieux en attaque. Dommage. Ok, ce tour-ci peut plus prendre de dégâts. Ok, l'autre il s'est barré, donc il y a beaucoup moins de dégâts. Il va prendre cher, mais. Est-ce que j'ai de quoi? 2, 4, 6, 8. J'ai pas assez pour tuer le. Lui. Ah, faudra faire 4 dégâts dans le tour. Aïe. Aïe. Ok, le gardien qui est pas bien, mais bon. Lui, on devrait pouvoir le tuer. Il reste plus beaucoup de points de vie, donc. Ok, il lui reste un point de vie là-bas. Déjà faire 4. On va prendre le bouclier. Ils lui en veulent. Je vais reroll. Ok, le zombard il a fait Scrooge et puis il regarde. Mange. Ok. Alors, ben le level up ça va être le fighter, non? Il n'a pas le choix. Alors il devient soldat ou il devient la brute. Le problème de la brute c'est qu'il s'auto. Non. Ah non. Il peut taper que celui qui a le plus. Il peut stun. Il est pas mal. Ou alors il fait qu'il a un peu de bouclier. Je pense qu'on va prendre lui. On a un gros DPS. Je pense que c'est pas mal. Et on va devoir lui rééquiper tout ce qu'on a mis. Vu qu'il a pas de bouclier, on va lui mettre ça et des PV. Ok. Le jeu est super intéressant. Même si j'ai pas de bol. C'est quoi ce plus? Seulement une slimelette. D'accord, tous les 5 HP. Ça, c'est quoi? On hit damage, attaqueur for tout. Oh, il peut faire très mal, lui. Ah non, si on l'attaque, on prend 2 dégâts. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal.
J'ai du bol. Hein. Ou pas. Nickel, moins de PV. On va mettre sur toi. Toi. On te tape. Ah! C'est vrai qu'il est obligé d'attaquer lui. On lui va prendre un. Ok. Aïe. Du bois dans le matinal, j'ai mal. Pardon. Je fasse gaffe parce que lui, il met des dégâts à chaque fois. Ok, lui pourra taper. Bon, il tapera lui encore. On va prendre un bouclier pour protéger monsieur. Son lui va mourir, hein, ce tour-ci, normalement. Enfin, normalement. Ok. Je vais taper lui. Je vais mettre du bouclier. Le problème, c'est que... Ok, là ça prend pas, lui prendra que 1. On va protéger lui. J'ai tapé là. Ok. Lui le slimelé, il sert à rien. Oui, 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 il est pas bien, Georges, ici. Prends pas de risque. Ok. Et tout le monde revient full. C'est bien. Où il y a du monde là? Alors. Un plus un max HP. Replace the rightmost side with stun and enemy with equal. Oh, ok. Ce qui est pas mal. Et là, ça remplace en haut par. Et si c'est engage, donc x2 damage si elle full HP. Faut dire qu'il y a beaucoup de... Sur qui on pourrait mettre ça? Il y a lui qui pourrait avoir un double stun. Est-ce que c'est pareil. Lui, c'est pas intéressant. Lui, ça lui permettrait d'avoir une croix de moins. Je pense qu'on va prendre celui-là, qui reste plutôt pas mal. Ça laisse plus de possibilités de stun. Et il a un HP de plus. Merci Beshibi pour le giveaway. C'est moi où il tape comme des brutasses. Un damage to adjacent ally upon death. D'accord, quand il crève, ils font des dégâts sur ses copains. Ok, lui il l'aime pas. Hein. Alors, je pense que je vais prendre le bouclier de zone. Est-ce que je prends un stun? Ça, je vais pouvoir doubler les dégâts sur quelqu'un. Je peux prendre un stun au cas où. Ok, encore deux sur lui. Encore un gros bouclier pour aider monsieur ici. Je rirole encore une fois. Si je tombe sur un... Ok, lui, il est à 1. Donc lui, il peut faire ça. Bam! Ça a déglingué tout le monde. Ah, dommage, je vais pas le tuer. On va bouclier un peu là. On va bouclier monsieur. On stun monsieur. On tape dessus. Prochain tour, on met un point de dégâts, on en tue deux. En un point. Ok. Ils sont bien ces squelettes à tuer. Zblam. C'est très bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Oh, il devrait pas survivre là. Ok. Ok. Alors, on passe niveau 3. Alors, on a quoi? Oula, monsieur passe. Donc 3 damage steel. J'enlève quoi?
3, 3, 2, 2. Ouais, c'est quand même mieux, hein. Oh! Oh oui! Peut-être utiliser si elle étale. Ouh! J'aime bien celui-là, moi. Donc, faut rééquiper. Sur qui on pourrait mettre le bouclier permanent? Plus 3 PV. Qui a le moins de PV? On pourrait mettre le bouclier permanent sur lui et plus de PV à lui. Ça équilibre un petit peu. Oula, on est sur un boss, là. Monsieur a dû... All hero get moins un max HP at the end of each turn. Quoi? Oh, il va falloir vite tuer tout le monde, là. En plus, il tape comme une brutasse. Ok. Ça, c'est bien. Ça, je crois qu'on va le prendre. Ça aussi, parce que Gladiator, il se fait un petit peu target. Ah, la régène. Ouais, mais ça sert à rien, puisqu'on va perdre des max HP. On va le prendre. Pour protéger lui. Gladiator, on verra. Deux dégâts. Je peux 3, je peux tuer lui. 2 et 2, je peux tuer lui. Même pas, je pourrais même faire... 3 sur lui, un point. Enfin, on va voir, je vais peut-être refaire un... Je vais garder le 2, je vais refaire un G, on sait jamais. Ok. Là, je peux faire 3 sur lui. Et je tape sur... peu importe, avec lui, je tape sur lui. Lui a pris. Ok, donc déjà, niveau dégâts, on est pas mal. Je peux tuer lui. Et on va mettre juste un shield sur lui. Le problème, c'est qu'on va se prendre du poison, donc il va falloir vite le tuer. D'accord, il va summon quelqu'un. Bon, là, l'étal, ça sert à rien. Bien sûr, je suis tombé sur une croix. Il est full HP, donc on s'en fout. Il fait pas de dégâts ce tour-ci. Donc autant choper du dégât. Ok. Donc on va perdre... Là, il perd un HP. Ok. Parfait. S'il a l'étal, il pourra attaquer. Hein. Ah, je pourrais virer le plague. Ça marche? Ah non, ça donne juste plus 3 PV. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc, si je fais ça et je fais ça, comme je l'ai tué, je peux le réutiliser. Et on va protéger lui des dégâts. Oh, double plague. Ah ouais, non, mais ça va de plus en plus vite. Là, faut que j'arrive à lui faire les 5 points de dégâts, là. Ok, il y en a 3, il y en a 5. Bon, c'est bon, il est mort. Tiens, tue-le. Ok, bon, premier boss passé. Il est génial, ce jeu. Oh. At the start of each turn, Cell Shield 2. Ouh. Ouais, je vais prendre ça. Cell Shield 2, c'est énorme. On va le mettre à lui. Je crois qu'il a du bouclier sur son truc. Je n'irai pas, je fais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je mets le 1 ici, 2 sur lui. Alors, vas-y. Alors, shops, tout item, tout. Ok. C'est bien, merci. Skip this.
Voilà. One skipped. Alors, qu'est-ce qu'il fait, monsieur, ici? Basilic. On he turns the attack inside to stone. Ok. Et ça attaque deux zones en plus, bien sûr. Bah oui. Et lui, c'est regenerate un health. Quoique, est-ce que ce serait pas bien de leur... J'ai eu encore ça, hein, fait chier. J'aurais préféré avoir une attaque. Je vais reroll. Ah, c'est quand il est touché. Ok, je pensais c'est quand c'est lui. C'est on hit, pardon. Faudrait que j'apprenne à lire, en fait. T'attaques qui, toi? Ah oui, non, mais d'accord, ils ont décidé de... Comme il a deux shields par tour, même c'est lui qui en a le moins, donc... Ça, c'est pas mal. Même si... De toute façon, il peut pas avoir mieux, lui, en dégâts. Ouais, donc on va prendre. Non, mais faut arrêter de tomber sur celui-là. Donc lui, il faut le taper en dernier, en fait. Alors, comme lui, il risque de prendre cher, on va faire comme ça. Dès qu'on bute le troll, ça va être pas mal. Après, on va avoir des problèmes de face pour taper. Non, mais faut qu'il arrête, hein. Je veux dire, il y a d'autres phases sur le... Non, mais... Il y a d'autres phases sur le... Non, mais c'est pas possible. Combien ça fait 4 ou 5 fois d'affilée? Sérieux? En plus, je vais même pas le tuer là-bas, c'est chier. Les gladiateurs, vas-y. Ah, je peux stun. Ouais, stun lui. Tiens, avec le cœur. Régène 0. Pourquoi? Un target that? Ah bon. D'accord. Comprends pas, pas grave. Ça sert à rien, je résienne. Comprends pas, il voulait pas, maintenant il veut. Ok. Va comprendre, Charles. Ok, lui, il va bientôt plus avoir d'attaque, hein. Ça va être horrible. On te garde. On va te garder. Même si j'ai pas des faces pour attaquer, ça va être compliqué, quoi. Bon, il fera zéro dommage, mais... Non, non, on va te buter. Là, t'as aucune chance, mon gars. Alors, regarde, hein, même en plus, je te tue avec, avec l'autre. Alors... Alors, il n'y a pas beaucoup de face, là, hein, mais alors... Ok. 4 de dégâts. Ou alors, paladin pour lui. Il se soigne et il shield de 3. Il enlève les effets négatifs. Et il tape à 4. Et, genre, et je perds. Bah, on va prendre paladin. Hein. C'est le paladin, c'est obligatoire. Ok, alors monsieur là-haut se fait focus fortement.
On va l'utiliser. Oui, c'est vrai qu'il est obligé de taper celui qui a le plus de... On va prendre ça. Quoi? Pourquoi? A pas compris. Mais tant mieux. A pas compris pourquoi je l'ai tué. Mais tant mieux le one shot là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la mort est permanente, mais plus un d'attaque sur chaque côté. Ok, c'est pas terrible. Enfin, c'est bien, mais c'est dangereux. Et la flûte. On va passer the rightmost side with cantrip. Et tu vas du ring rolling. D'accord. Si jamais on tombe. Est-ce qu'il y en a un qui est intéressant? Il y a lui qui pourrait. Lui aussi. Lui non. Lui non plus. Ça c'est trop dangereux. Ou alors je prends un random tiers. Je vais prendre un random tiers. Allez hop. Alors, seconde chance. Replace the rightmost side with target hero can use the dice again. Ok, pas mal ça. Donc un où on va pouvoir enlever une croix. Hop, voilà, toi. Au cas où tu attaques pas, c'est pas très grave. Alors, il y a les ogres. Les ogres, ils font quoi déjà, ça? Ah, ils gagnent des dégâts. Flee, if an adjacent monster is overkilled by Dome. D'accord. Et on les tue par plus que... Alors attention, j'ai pas bien compris. 4 damage et on gagne un steel. Donc ça veut dire c'est une résistance, c'est ça. Bon, ça on va l'utiliser. Ça, ça tape fort. Ça c'est pas mal pour notre ami gladiateur. Bon ben toi tu as tapé régène. Non. Bah ben, j'aurais dû. Lui il tape fort. Hein. Lui je pense qu'à mon avis. Ah je peux pas, il y a les ogres avant. Alors attends, on va protéger le gladiateur. Fortement. Je peux taper lui maintenant. Je ne tuerai pas, mais... Ok, on va prendre un peu de dégâts, mais c'est pas très grave. Ok, ça je vais le garder, c'est beaucoup de défense. Paladin, est-ce qu'il a besoin? Ça non. Ça, si je tue quelqu'un, il peut réattaquer. Donc oui. Il pourrait le heal et le protéger de 3. Et on va reroll. Non, c'est, j'ai l'impression qu'en fait, il y a 6 faces avec des croix. Tellement c'est hallucinant. Et c'est fort hein, son attaque. Oula, double poison. Ou lui il va falloir le soigner, sinon notre ami le gardien il va faire. Allez, au revoir. Ok. Oula, régène. Cette fois-ci, je vais pas dire non, je pense. Personne, je peux relancer un dé qui serait intéressant lui-même. Il passe pas target lui. Ben lui, allez, on le régène sur quelqu'un, ben, sur lui-même. Voilà, bien sûr, on va attaquer. Alors, il fait un point de dégâts.
Ok, il va falloir défoncer l'ogre. J'ai quoi? J'ai 4, donc je tue lui. Donc lui, il fera plus ses dégâts. Donc le guardian, il est safe. Enfin, presque. Dans le doute, reboot. Oh, je vais pouvoir stun. Ok. On tue lui. On stun lui. On soigne monsieur. Et on tape. Dommage, il manque un. Un dégât. Non, 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 tu vas pas fuir, mon gars. Tu vas y passer, mon salaud. Ça va, heureusement qu'il n'y a pas d'XP. Alors, oula. Qu'est-ce donc, le gladiateur? Qu'est-ce que ça, Valkyrie? Donc, il perdrait les boucliers, mais il gagne ça. Qu'est-ce que c'est? Gargakali cannot die this turn. Ok. 4 damage, dead wish. Ouais. Revive the two most defeated alliés. Ok. Shield 2 rescue. Sight can be used again if save hero. Ouais, c'est compliqué là. Je pense qu'à mon avis, on va virer le gladiateur. Pour mettre celui-là. Parce que là. Replace all side with blank until the end of the next turn. Ah ouais, c'est un tour sur deux en fait. Tu peux taper comme une brutasse. Après, t'es rien du tout. Et il aurait double stun si je lui mets l'item. Je pense qu'on va prendre celui-là. Il est là. On va faire reroll un dé. Ça peut être pas mal pour faire beaucoup de dégâts. Allez. C'est lui. Bon, lui, on s'en fout. Mais ça va être lui qui va être... même le... Oh là là, l'attaque, il tape à combien? Il tape à beaucoup, là. Et en plus, il tape deux zones. Ça, ça met 3 shields. Ah bah, il va taper direct, hein. Donc, faudra taper lui. Lui, on faut le taper au fur et à mesure, donc... Ok, ça c'est bien. Ok. Alors, je vais pouvoir taper 1 ici. On va taper à beaucoup. On le tuera pas, donc... je vais mettre du shield. Plutôt comme ça, parce que lui, il a beaucoup de PV. Mais bon, il jouera pas au prochain tour, donc... pas de bouclier, sur qui en a le moins. Le moins de points de vie, c'est lui. Ok. Faut vite le tuer, lui, ça fera un de moins. Encore 2 coups à lui donner. Et il régène de 2, le sadique. Ok, ça c'est bien. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a 50 fois la croix. Faut que je tue lui, il tape fort. Et sinon, il va me tuer lui. C'est pas grave, on va pas faire beaucoup de dégâts sur le troll. Mais au moins, on a un ennemi de moins. On va faire ça pour protéger. On va mettre sur lui. Ils prennent moins. Ils veulent te tuer, lui. Ok, ça c'est pas mal. Ah, il y a du poison, sale bête.
T'as pas 5 Eevee, ça veut dire que lui prend... prend 9. Ok, je peux stun le King. Pas de no valid target. Ah, faut qu'il ait moins de points de vie. Alors attends, on va régler ça. Dommage, il manque un dégât. On va te régène, toi. Ok. Bon, on devrait finir ce tour-ci. Heureusement qu'il y a la régène entre les tours. Bon, le troll, il va prendre cher. Bon, bah, c'est bon, ils sont morts. Prends tes 7. Prends tes 3. Ok. Oh, des sushis! Qatar. Add trio to all damage side. Pardon, attends, trio. x3 si. Si elle est same pip at the two previous dice. Je comprends pas le. Replace the left side with gain, de reroll, and trip. Activate during rolling. What? Tu rajoutes des rerolls? Et on voudrait enlever un truc pas terrible. Les personnes. Ah, quoique lui, son. Il deviendrait. On vire son gros truc? Ouais, mais je vire ça. Oh, j'ai envie de tester. Juste pour voir si j'arriverai à l'avoir. C'est au troisième lancé et il obtient un Qatar comme ses deux précédents lancés. Il fait 3x3. Mais j'ai pas de Qatar. Donc... Ah, où ça change les sides, c'est ça? Ok. Eh, on se la joue comme ça? Lui, il va être là. Il pourra aider pour les rerolls. Sinon, il fait des dégâts avec les deux autres. On va voir ce que ça donne. Bon, là, il y a du monde. Hein. Barrel. Ok, le tuer, ça fait des, ça fait exploser à côté. Ouf, oh là 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 là, il tape comme des brutasses. Alors, faut que je garde le bon des jaunes, c'est celui-là. Je pense que ça et ça, on va les garder pour le moment. Pour réduire les dégâts. Quoique, il y a qui est, c'est lui qui a les shields de zone. Pas de bol. Oh, de reroll. mais ça peut le faire à l'infini. C'est n'importe quoi. J'ai tellement lancé de dés. C'est n'importe. C'est nawak. Tuer le baril, c'est pas mal, non? Bah, c'était vraiment très bien, tuer le baril. Ça fait beaucoup moins de dégâts d'un coup. Je pourrais pas en tuer un autre. Si, je pourrais tuer lui qui fait du poison. Ah non, il est obligé de taper... Ah oui, il est obligé de taper celui qui a le plus... D'accord, je suis obligé de taper lui. Bon, là, ça va prendre et il va s'auto-protéger. Ok. Eh, mais ce truc de reroll, c'est n'importe quoi. le poison x2, je suis pas d'accord, là. Hein. Il faut se calmer, les gars. Ouh, ça, je vais prendre. Il va taper 1, 2, 3. C'est bon, on le tue là. On tue tout le monde là. Donc lui il fait bam, il fait bam, il fait bam. Et puis là ça fait bam et c'est fini. Ok. Ah. Ah mais j'ai pas envie de changer mon juggler. Il était très bien le juggler là.
Dégâts x2 si on a full PV. Ah oui, c'est pas... 2 damage. Can be used twice in a turn. Ah ouais. Dégâts tout le monde. Dodge all damage and enemy effect this turn. Ouf. Ou alors on a lui qui met beaucoup de boucliers. Utiliser deux fois. Mais s'il tape, il fait plus rien après. C'est quoi qu'il a comme pouvoir? Quoi qu'on pourrait virer, lui mettre le stun. Et virer le hawker là qui sert à rien. Ça peut être fort, hein, parce que si je tombe sur ça et qu'il est full PV, le juggler, ok, hein, 12 de dégâts, quoi. Ah non, c'est Pristine. Ouais, c'est ça, Pristine. C'est plus 3. Non, ce serait 9. Donc ça ferait... ouais, c'est ça, ça ferait 9 dégâts. C'est quand même énorme. Mais je pense que je vais prendre plutôt le tank. Alors... Monsieur le tank, tu avais quoi? Tu avais ça qui met le cœur, on s'en fout. Tu avais ça qui met le stun à la place de ton truc ici. Et les autres, je peux pas mettre. Ou alors, je pourrais te mettre le bouclier x2. Ouais, mais non, je perds ça. Là, j'ai envie de garder. Tu perds 3 HP. Monsieur était spécialisé dans le stun. Bon, et ça, à mon avis, je le mets nulle part. Hein. Je voulais tester, mais... j'ai aucun truc... j'ai pas envie. Ok. Ah, j'ai pas vu le tuto, c'est pas grave. Ok, là, ça va taper fort. Ok. Oh, en plus, j'ai déjà 2 rerolls. C'est pas mal. C'est quoi l'hydre? If die, if take 5 damage in a turn. D'accord, faut pour la tuer. Il est ready, HP, ok. Le stun. Genre lui. J'aurais pas mal de stun. Hein. Bon, fais des dégâts, toi. Et là pour ça. Ah non, faut la tuer par 5 d'un coup. J'aurais dû taper sur lui alors. Non, on est obligé de taper là-bas. Ça va. C'est ok. Je pense qu'on a une équipe pas mal. Ouais, bah lui, c'est normal. Ça, je suis pas sûr que ça serve. Ça, à la rigueur, ça peut faire mal. Tapera pas. Dommage. Bon, il va prendre des dégâts, mais il meurt pas, donc c'est pas très grave. Non, 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 tu fuis pas, mon gars. Je vais te péter ta gueule. Mais alors, comme pas possible. Non, 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 je vais te tuer. Ah, il veut pas, hein, salaud. Et tiens, prends ta baffe. Alors. Add country to the two right side. Et là, c'est add fumble and plus 3 pip to the middle column. Fumble, 50% de chance to be blank each turn. Non, je pense que je vais prendre ça. C'est hyper fort.
Genre sur lui, je tape Gratos sur le plus fort. Si je fais un de ces deux, c'est... mais c'est... c'est ouf. En fait, j'ai un combo, enfin j'ai la possibilité de faire des attaques à chaque reroll, ce qui est super fort. Oh, que des trolls, sérieux. Ça y est, c'est pris. C'est le paladin qu'il faut que je reroll, ouais. Lui aussi. Lui, on peut prendre. Lui... oh, on peut avoir mieux. Genre ça, c'est pas mal. Allez, deux rerolls. J'ai pas eu encore les attaques, hein. Avec deux rerolls de plus. Et oh! Voilà, merci. Reroll infini. Oh mon dieu! Ah, dommage! Il aurait pu prendre tellement cher! qui tu dois attaquer, toi? T'as pas le choix, c'est lui. Qui tape le plus fort? Il y a lui, hein. Je peux te stun. Voilà, ça fera moins de dégâts. Je peux bouclier tout le monde ici pour que ça prenne moins. Lui, il prendra rien. J'aurais même pu bouclier les trois là, c'est dommage. C'est pas grave. Est-ce que je peux arriver? Oh non, j'en tuerai pas, mais je peux bien l'entamer. Je peux tellement faire des combos infinis, là. Quasi. Donc lui, on garde le bouclier multiple, c'est bien. Toi, non. Toi, on a envie de te relancer. Toi, tu peux taper fort, on peut tuer lui. Dommage de taper sur le plus petit. On en tue un. Puis qui tape de zone, on va le stun. Bouclier sur tout le monde. Et peu importe, sur lui. Là, c'est magnifique cette combo. Bim! toi, on veut que tu te relances. Toi, on veut mieux. Toi, tu pourras faire relancer un dé. Bah, toi, tu vas taper comme une brutasse, hein. Ouf. Je pense qu'ils sont morts, hein. J'ai même pas attaqué ce sorti. Ok, on arrive sur le dernier. Oh, assassin. Ah, j'ai pas le choix. Ouais. J'ai pas envie de changer. J'ai envie de garder. Même s'il a moins de points de vie. C'est énorme, quoi. La combo débile, ouais, c'est fumé. Oui. J'aurais plus de fois le truc pour relancer. Ce serait mais n'importe quoi. Mais j'ai pas envie de monter le jugleur. Hein. Bah, je sais pas, mais moi j'ai pas envie de. J'ai envie qu'il garde ses attaques, même si elle tape moins fort. Il y a... J'ai combien? J'ai 4 phases qui retapent, donc. Bah non, j'ai pas envie. Il y a que 2 phases qui retapent. Même si ça me donne un reroll, je retape qu'à 1, c'est pas ouf. Non, pour moi je skip, hein. Pour moi, je pense qu'il faut que je skip. Hein. Alors toi, je vais te garder. Toi, je vais te garder. Toi, je vais pouvoir te relancer. Toi, je vais te prendre pour limiter les dégâts. C'est bien un moins direct.
Je vais te taper le dragon en premier. Hein. Et j'ai déjà un plus 2. Donc ceux que je veux garder sont là. Je peux avoir mieux. Je peux avoir mieux. La tour reroll. Toi c'est bien. Toi c'est bien. Dommage là. Bon là lui il est obligé de taper lui. Pas le choix. On va bouclier les trois là. J'ai déjà le foie, donc lui on garde, lui on va le garder, lui j'ai pas utilisé, lui on va reroll. Prendre de temps en temps lui, je vais reroll je pense. Pas de bol là. Ok, j'ai gagné deux rerolls, j'ai eu celui-là, parfait. Ouh, le dragon est bientôt mort. Ok, je peux stun le dragon. Le bouclier est là. Je soigne ici. Je régène ici. Je relance lui. Je soigne le paladin. Bon, je pense que ce tour-ci, on le tue. Oh mais ce combo débile. Sérieusement. Il y a du à mort. Et oh. Alors, 3 sur le dragon. Et l'archer, parce que voilà, prends ton max. Ok, réussi. Ok, réussi. Oh, waouh, il est génial ce jeu, j'adore. j'adore. Bien, pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partagez à tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.